Le passé n'est pas perdu. Le passé vit en nous. Les expériences de nos ancêtres sont encodées dans les hélices de notre ADN. Après 3 décennies de recherche, nos ingénieurs ont façonné la meilleure des interfaces biotechnologiques. Nous Salut avons à toi, débloqué Becca. Les vies de nos aïeux. Bah, là, désolé pour nous cette, avons ouvert ce live tardif sur le passé. J'ai eu des petits soucis. Pour un divertissement en immersion ce totale. Ce soir, tu vas suivre un peu, je dis un peu. En pressant un simple le live bouton, de Assassin's vous vivrez Creed, les moments les plus Unity. Précieux de l'histoire humaine. Unity, comme tu veux. Depuis le confort de votre domicile. En anglais. Welcome to Bienvenue France. Dans Helix. Où le passé devient votre terrain de jeu. Et merci d'ailleurs, Mekai. Très gentil. J'espère que t'es pas arrivé trop en avance aussi. Alors du coup, il y a tout ça à découvrir. Waouh. Ça donne envie, hein. Jacques de Molay était le dernier membre de l'ordre héroïque des Chevaliers du Temple. Un homme de principe et un esprit brillant dont la confiance fut trahie. Dans cet épisode de Héros déchus, découvrez les dernières heures tragiques de Jacques de Molay. Il a un crâne d'œuf, Molay. Tout seul, je sais. C'était marrant, non? Vous pouvez rire à ma blague, s'il vous plaît? Ça y est, il commence à crier contre les Templiers. Qui va là ? Un ami du Temple. Floirac ? Le message du Conseil était formel. Tu n'es pas le bienvenu ici. Je dois parler au Grand Maître. Il est en séance, avec les autres. Une autre fois, peut-être. Par contre, il est beau. Le roi Philippe désapprouve. C'est bizarre, va au diable. Je me demande bien pourquoi tu ne pourris pas au fond d'un cachot. Je croyais que t'aimais pas, chérie. Ah si, chérie. J'ai un exemple pour tous. Nous avons été trahis. À vos épées, messieurs. Défendez le temple. Pas toi, mon frère. J'ai une autre tâche à te confier. Viens avec moi. Le roi Philippe a agi plus vite que prévu. Quelqu'un d'autre, le... Le pape? Les assassins. Les assassins? Ça fait des décennies que les Khans mongols ont sapé leur pouvoir. Les assassins existaient bien avant Masya. Leurs illusions anarchiques sont aussi virulentes que la peste, et encore plus tenaces. Qu'est-ce qu'il est beau! Nous ne triompherons pas ce soir, mais si tu te hâtes, notre ordre peut être sauvé. Que dois-je faire? Rends-toi à la tour, prends l'épée et le livre, cache-les. Ils ne doivent pas tomber entre les mains des assassins. Grand maître, je... Va! Bah oui, ça s'appelle Assassin's Creed, non? Ça s'appelle pas Templier des Creed. Ça se serait. Abaissez-le pour le vide. Abaissez-le. Bon sang. Je dois trouver un autre chemin. Ouais, une autoroute, ouais. Ouais, mais Rogue, il s'appelle Assassin's Creed parce que là-bas, c'est un assassin. Oh. Encore une personne qui a pas suivi l'histoire. C'est pas la fenêtre. Non mais c'est vrai, les assassins ils savent pas monter les murs. Ah ouais, mais en même temps fallait suivre l'histoire. Ouais, t'as un souci hein, mec.
La tour! Ils sont entrés dans la tour! Ils sont pris! Oh. Est-ce que tu vois bugger, ramer l'écaille? Est-ce que ça rame ou c'est fluide pour toi? Bizarre que ça lag parce que moi je ressens aucun lag. Parce que en fait ça se déroule en fait à l'époque de Jacques de Molay. Et Jacques de Molay en fait c'est à peu près au même temps que Altair. C'est pour cela que la tenue est à peu près similaire. Parce que là c'était un disciple de Jacques de Molay. Je sais plus son nom, clairement. Pape Clément, entends-moi. Avant que l'année ne soit écoulée, tu répondras de tes crimes devant le Seigneur Tout-Puissant. Et toi, roi Philippe, même le plus abominable des châtiments ne saurait effacer les maux que tu as infligés au temple. Je vous maudis. Soyez maudits jusqu'à la 13e génération de votre sang. Soyez tous damnés. C'est des petites séquences d'histoire en fait, c'est pour ça. Ainsi prit fin l'ère de la sagesse, consumée par les flammes de la faim et de la colère. Les chevaliers du temple, les fiers gardiens ancestraux de la paix, de l'ordre et de la sagesse, venaient tous de s'éteindre. Ouais, on va lancer un mouchard. Au moindre signe d'abstergo, sors-moi de là. C'est bon. J'ai un visuel. Hé, hey, salut. Tu dois être médecin déstabilisant, alors écoute bien. Je m'appelle Bishop. Bon, c'est pas mon vrai nom, mais t'as pas besoin d'en savoir plus. Écoute bien ce que je vais te dire. Abstergo se sert de toi. Il pirate tes neurones dans le but de fouiller des mémoires génétiques. Cette organisation a déjà pris le contrôle d'un grand nombre de sociétés, ouais. Des gouvernements, des médias et des ONG. Il Maintenant,
Ils ont décidé de s'approprier l'histoire. C'est vraiment flippant, je sais. Mais notre mission est de les arrêter. Et on a besoin de ton aide. Digon, charge la séquence génétique AD16B13I87. Je te prépare ça. La semaine dernière, on a piraté une banque de mémoire non séquencée sur les serveurs Helix d'Abstergo. Pour le moment, on aimerait te faire explorer une partie de la ville. Que tu comprennes un peu mieux le combat qu'on mène. Après ça, tu pourras choisir pour quel camp tu veux te battre. C'est à toi de voir. Voilà. On est parti pour le vrai jeu. Bon, pour ceux qui étaient là hier, parce qu'il y en avait quand même, on reprend là où qu'on a tué avec Shay en tout dernier. Arnaud. Ne puis-je pas venir avec vous, père ? Courage, mon garçon. Tu vas m'attendre ici. Et je reviendrai quand cette aiguille sera en haut. Ce sera très long. Moins long que tu ne crois. Et à mon retour, nous irons voir le feu d'artifice. Et Arnaud ? Pas d'exploration, compris ? Oui, père. J'ai toujours aimé le côté français de ce jeu, mais c'est le seul truc que j'ai aimé dans le jeu. Alors, voilà l'histoire. Mais si, il est mort, son père, on l'a tué hier. Mais ça se passe entre les deux, en fait. On va revoir Shay tuer son père tout à l'heure. Ah, il y a Elise qui vient faire chier. Du coup là j'ai foutu une lame et elle va mourir. Salut à toi, Mister TNT, comment vas-tu ? Bienvenue aujourd'hui, nous sommes à Paris. Eh merde, j'ai fait tomber le cochon, les. Tiens, attrapez-les ! Vous aurez droit à une belle correction ! Dépêche-toi ! Non, j'ai pas envie d'une correction ! Ah, fais chier les pubs. Je parie que tu n'oses pas en voler une. Pourquoi j'arriverai pas à voler une pomme? Voleur, remets ça en place. Ah! Par l'enfer. Que s'est-il passé? Connais-tu le sort qu'on réserve aux voleurs? Ouais, tu veux me faire quoi? Tu veux mettre la fessée? C'est interdit. C'est interdit en France, la fessée. Repose ça tout de suite. Bonsoir, la merguez. Comment vas-tu ? Tiens pas, ça va pas le faire. De ne plus bouger. T'as vu ça? Déjà à son âge. Vite, par ici. J'ai vu leur tête quand on a volé ses pommes. Je m'appelle Armie. Elise. Je suis venue avec mon père. Moi aussi.
Il a une affaire importante avec le roi. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Chut. Écoute. Ne t'en fais pas, ils ne penseront jamais à nous chercher ici. Si vous vous rappelez d'hier... C'est de ma faute. C'est moi qui ai pris ces pommes. Si vous vous rappelez d'hier, quand on est passé avec Shay, en fait, il y avait la fameuse phrase « Tu as vu leur tête quand on a volé ces pommes ?» Bah là, voilà, on la retrouve et c'est là que ça prend. Quand Shay tue le père d'Arnaud. Ils vont s'en... J'espère que cette affaire ne ternira pas l'image que vous vous faites de notre pays. Si nous jugions les nations à l'aune des actes de leurs criminels, nous mériterions d'être traités par barbares. Viens ici, tout de suite. Père ? Viens, mon garçon. Mamodo va t'expliquer ça. Arnaud. Arnaud. Regarde-moi. Pauvre petit loulou, va. Commence trash quand même, en celui-là. Ouais, c'est triste quand même, pour un début comme ça. Tu ne sais pas gagner sans tricher, alors il faut que tu voles, maudit chien! Du calme, Victor, je suis juste venu pour ma montre. C'est ma montre, je l'ai gagnée à l'honnête. Ce serait ton avis si on vivait dans un monde honnête, Victor, mais ce n'est pas le cas. On est en France. Je vais te tuer. Oh, fais attention à toi, tu vas te faire mal. Il passe à travers, lui. J'étais justement en train de discuter avec ton frère. Hugo, va chercher la maréchaussée. Eh, pas si vite. Je le tiens, Victor. Pourquoi m'inquiéter? Pourquoi tu t'arrêtes pas? Ça aurait été pas mal. Pardon. Pardon, madame. Hors de mon chemin. Laissez-moi passer. Allons, messieurs. Nous trouverons bien un moyen de nous entendre. Pardonnez-lui, il n'est pas civilisé. Ouais, je t'ai vu ça, c'est un beau gosse, Arnaud. Ton genre ne sait même pas lire l'heure. Répète un peu si tu l'oses. Non. Reviens par ici! Au voleur! On arrive aujourd'hui! Arrêtez-moi ce chien! Vous êtes toujours là? Dois-je vous attendre? Je prends cher, moi, dis donc!
Regarde-moi en face. Alors, il n'y en aura pas pour tout le monde. Oui, monsieur. Je parle pour toi. Je suis un madame. Pour l'amour de Dieu, mais où donc étais-tu? Il a peut-être baissé la qualité du jeu. Ah ouais, tiens, enfin. Quand ça lag un peu apparemment sur le live. Ce n'est qu'un léger malentendu. Moi, sur moi, ça lag pas. Est-ce que votre maître sait qu'il héberge un brigand? Il est entré chez moi en plein jour et il m'a volé ma montre. Oh, vraiment? Eh bien, je suis sûr que la maréchaussée sera ravie d'éclaircir cette affaire. Quelle affaire, Olivier? Une accusation très grave contre votre pupille, messire. Il m'a volé! Et qu'a-t-il pu te prendre? Attends-moi dans la bibliothèque. Ah, bien joué, Bécaille, bien joué. Ne me regarde pas comme ça. Victor triche quand il joue au pharaon, tout le monde le sait. Arnaud, à qui parles-tu? À personne, monsieur. Tu seras ravi d'apprendre que j'ai convaincu Olivier de ne pas appeler la maréchaussée. Une nouvelle fois. Je vous remercie, monsieur. C'était quoi? La sixième fois? La septième? Il serait préférable de changer de passe-temps. Mais jouer aux cartes me donne l'occasion de prendre l'air et de faire de l'exercice. Nous en reparlerons plus tard. J'ai affaire en ville et je dois aller chercher Élise avant de partir. Élise est ici? Seulement pour cette nuit. Elle retourne à Paris demain matin. Il lui faudra une escorte, c'est certain, et vous avez fort à faire. Je n'ai pas envie que tu lui donnes de mauvaises idées. Reste ici et voici Olivier a besoin de toi. J'aime pas en fait les sous-titres, ça m'énerve. Est-il ? Présentez mes hommages à Élise. Ouhou, je suis trop fort. Alors, option, comment on enlève déjà, option du jeu, les sous-titres? Du rouge, pause, les sous-titres. Ils sont sérieux. Ah non, c'est peut-être en dessous en fait. Merde. Il y avait un petit truc sous-titre. Voilà, je vais les enlever parce que j'aime pas. Et pour éviter que ça rame pour vous, je vais essayer... qualité graphique. C'était en ultra élevé, mais je vais mettre en élevé, on va essayer. Ah, déjà j'ai perdu de la qualité qui est pas beau là d'un coup. Est-ce que c'est mieux de l'autre côté ou pas? Faut me le dire. Jeté à la rue. Oh, ça te plairait, n'est-ce pas? Ça me briserait le cœur. Olivier, si je n'étais pas là, qui ferait ton travail à ta place? Les chevaux doivent être étriés. Occupe-t'en. Certainement, monsieur. Messire, messire de la serre, attendez! Nom de Dieu! Nom de Dieu, nom de Dieu! Tu as des ennuis, mon ami? Une missive, pour messire de la serre, une missive cruciale! Oh, garde ton sang-froid, Perrault. Monsieur de la serre ne risque pas de recevoir cette lettre si tu meurs d'épuisement. Confie-la moi, je vais le rattraper. Il doit la lire aujourd'hui, c'est très... très important, oui, j'avais bien compris. Il l'aura, n'aie crainte. Monsieur de la Serre, arrêtez-vous!
passe pas, tu vas devoir faites faire place, le tour. Faites place, faites place. Tu vas ralentir, bon sang. C'est bien ma chance. Elles se ressemblent toutes. Mais qui est ce cocher, Pélops? Arrêtez! Monsieur de la Serre! Mes excuses, je suis coupé de voiture. Il faut que je prenne un peu de hauteur. Je vais peut-être essayer un truc. Si ça lingue encore. Merde. Graphisme. Ah, y a pas d'autre qualité. Hein. Ouais, non, du coup, je peux pas. Que ça sert à rien vous changer en fait. Pas changer, j'aurais changé la résolution de l'écran en fait. Ça aurait peut-être permis de moins laguer pour vous. On dirait. Hein. Bon, je sais pas ce qui s'est passé, c'est devenu dégueulasse. Ça fait chier de passer mon temps à. Merci pour le follow, Steven. 200 millions, je sais pas. Comme tu préfères. C'est normal, le tirage au sort, c'est pas tout de suite. J'essaye de faire au mieux. Parce que moi, perso, moi je lag pas son truc, ça doit être en fait le renvoi de l'image. Le renvoi de l'image qui vous fait laguer. Je sais pas, c'est bizarre. Quoi. Les voilà. D'accord, c'est toi. Ok.
coup, j'essaye de faire au mieux. Ah, c'est ça le problème, c'est qu'il est trop beau. Oui, là, c'est bon, on a tes participants, y a pas de souci. Fait baiser. Allez, à la queue. Ah, fuck. Je fais de la merdouille. Je vais passer par derrière. Ah, vous m'avez pas vu, vous. Oh. Casse les couilles, ces mecs. Yep, c'est pas faux. C'est pas faux, il a un petit air, ouais. Par contre, je sais pas si vous êtes de mon avis, mais le jeu, contrairement aux autres, hein, celui-ci est éblouissant, quoi. Il est magnifique, quoi. C'est un truc de malade. Après, ok, les autres, voilà, ils sont vieux et tout, mais celui-là. Wow. Oui, c'est sûr, certes, il est plus récent, mais quand même, hein. Où est monsieur de la Serre? Je vous prie, je cherche monsieur de la Serre. À la nation, une nouvelle source de bonheur. Il y a du monde, hein. Déjà immense, à mon avènement au trône. C'est encore accru sous mon règne. Ils ont dû me suivre depuis la demeure. Une guerre dispendieuse, mais honorable, en a été la cause. L'augmentation des impôts. Ça parle déjà d'augmenter les impôts, quoi. Eh ouais. Locale répartition. Une inquiétude générale. Un désir exagérés d'innovation se sont emparés des esprits et finiraient par égarer totalement les opinions si on ne se hâtait de les fixer. Ouais, c'est pas faux, ouais, il a la même, ouais. Il a le même style que Ezio. Je vois.
Et qui viendra prendre sa place? Un autre roi? Un conseil de sages? C'est là toute la question, n'est-ce pas? Une trêve, alors. Diable, mais que se passe-t-il? Mon brave, je suis certain que nous pouvons régler cela sans violence, n'est-ce pas? Attrape-le, Hugo! Il faut croire que non. Attrape-le, Hugo! Calme-toi, grande bourrique. Mais alors? J'arrive pas à le... C'est ça en fait, bienvenue en France pour les impôts. J'arrive pas à parer, c'est fou. Ouais, tu me saoules, vas-y, je te tue. Cette fois, personne ne viendra te sauver. Corrige-le. Il peut pas nous battre tous les deux. Ouais, t'as vu, je t'ai battu. C'est pas ton jour, n'est-ce pas, Victor? Arnaud Dorian. À votre santé, messieurs. Toi, là, bienvenue en France. Qu'est-ce que tu fais? Je m'enfuis. Merci pour le follow, Temple Lord. Wow, j'ai du mal. Ça fait plaisir. Merci de me suivre dans mes aventures en France. Hors de question de retourner là-bas. Je les retrouverai à la maison. Ouh, il n'a même pas réussi l'état mémoire entier. Ça commence. Ok, je sais pas, petit bug. Une philosophe se cacherait-elle sous cette fleur de la rue? Vous le saurez si vous mettez. Mais... On apprécie les rues de Paris. Il y a là-bas. Ma parole, mais il se passe quelque chose. Vous êtes un goût. Non, c'est plus le. Qu'est-ce que tu fais? Je m'enfuis? Genre, tu sais, c'est une petite question, mais il est pas sûr, ça. Bande d'alcooliques, les Français. Une bande d'alcooliques. C'est béquet quand il essaye de faire l'assassin. Il se met entre deux arbres. Si
Espèce d'alcoolique, mademoiselle Couille. Avec un petit vin. C'est ça? Tu veux du vin? Surtout, monte pas. Hein. Je te dirai rien, Arnaud. Par contre, Arnaud, ils auraient pu choisir plus français, genre Albert, Thierry. Ah, vraiment un truc français, quoi. Arnaud, ça fait italien. Un truc bien, je sais pas comment ils auraient pu l'appeler. Vraiment un truc français, quoi. Albert, Albert, c'est très français. Louis, ils auraient dû l'appeler Louis. T'aimes pas le raisin? Quel rapport? Le vin n'est pas fait avec du raisin. Logiquement, même si t'es doué, t'es un assassin, tu sautes de trucs comme ça dans une botte de paille, tu meurs. Bon, je dis ça, je dirais. Mais non, Arnaud, ça fait pas bien. Il aurait dû l'appeler Louis. Adrien, Adrien, c'est classe. Adrien, l'assassin. Ah, j'adore, moi. Bonsoir, Olivier. Est-ce que Monsieur de la Serre est rentré? Messire de la Serre ne rentrera que très tard. Oh, fort bien. Je devrais pouvoir passer le temps en compagnie d'Élise, alors. Prépare-toi à déchanter. Mademoiselle doit assister à une réception en son honneur. En fait, il s'appelle Arnaud, c'est parce que Arne, ça veut dire aigle. Je n'ai pas été invité. C'est pour les cela. Les chevaux non plus. J'imagine qu'elle a dû égarer mon invitation. Merci, mademoiselle Couy. Je trouverai un moyen d'entrer. Très doué dans les prénoms, c'est pour ça. Et sais-tu quand monsieur sera de retour? Peut-être une heure, peut-être trois, peut-être pas du tout. Les allées et venues de mes maîtres ne me regardent pas. Alors j'attendrai ici. Élise n'a jamais aimé les bals de la haute société. Elle sera bientôt de retour. Mémoire de Monsieur D'Artagnan, le préféré d'Élise. Si je la glisse sous la porte, il la trouvera dès son retour. Hop, hop! Voilà. Remise en main propre. Et presque en temps voulu. Et maintenant, cap sur le palais. Oh, je n'oserais pas arborer cette tenue dans un égout. Encore moins un bal. Laissez donc, mon brave. Je vais m'en charger. Oh, merci, jeune homme. Monsieur Maximilien Robespierre, venu seul. Arnaud, le chevalier
du Telem. Invitation, s'il vous plaît. Oh, certes, j'en avais une, bien entendu, mais en chemin, je l'ai... Sans invitation, vous ne pouvez pas entrer. Maintenant, veuillez vous retirer. Le gratteur, le mec. Gérard Depardieu ? Il avait le même pif. Charles Gabriel Civert. Deux invités. Suivant, je vous prie. Quelle affluence. Deux invités. Par ici, mesdames et messieurs. Repose en paix. Je fais de la merde, non? Sans invitation, monsieur, vous chrétien... n'entrez... Quelle affluence. Monsieur Louis-Michel Le Pelletier, marquis de Saint-Fargeau. C'est un temps qui est interminable. Patience, ma chère. Il faut bien faire obstacle à la populace. Ouais, c'est le sourire à la française en même temps. C'est logique. Allez, un feu d'artifice. Ça se voit que c'est un feu d'artifice français, hein. Y a pas de couleur. Contentons-nous d'une brève apparition de politesse. Je suis fatigué. Comme vous voudrez. Trouvons notre petite Élise, qui bien sûr a bien grandi. Le tiers état est presque en révolte, et eux, ils donnent une fête. C'est en quel honneur cette fête ? J'en sais rien. C'est sans doute une cérémonie de confirmation pour la fille de la sœur. Hop là, ninja. Alors, cette relève, ça vient ? Len, reviens, nous t'attendons. Que peut-il venir danser ? Il a fini l'heure de rentrer. Ah ouais, mais fuck. Non, là, c'est abusé. Allez-vous-en. Si je recommence tout, je vais tout casser. C'est bon. Le tiers état est presque en révolte. Volt et eux, ils donnent une fête. C'est en quel honneur, cette fête ? J'en sais rien. C'est sans doute une cérémonie de confirmation pour la fille de la sœur. Ouais, ils sont un peu bêtes, mais en fait, dans tous les instants, Assassin's Creed, ils sont bêtes, donc du coup, au pire. Alors, cette relève, ça vient ?
Arrêtez-vous là-bas! Halte! Descendez de là! Me laisserez-vous rentrer si je m'arrête? Tout de suite. L'est-il? Mais certainement pas! Alors, si cela ne vous fait rien, je préfère rester là-haut. Oh non, non, non! Descendez! Qu'est-ce que ça veut dire tout ça, là? Je vous retrouverai plus tard dans le jardin. Nous sommes très nombreux ce soir. Je peine à me rappeler de notre dernière rencontre. L'avoir monté à cette affaire avec... Et Elise. Et je vous saurais gré de ne pas l'évoquer. M'accorderiez-vous cette danse, beau gentilhomme? Merci. Un autre jour. Oh. Et bam, râteau. La plèbe se soulève cet après-midi. Quoi t'attendais-tu? Trouvez-le. Il est à moitié sauvage. Je ne ferai pas un creux d'infraction de se payer ma tête. On va dire qu'elle passe ses nuits à jouer dans les tavernes des clés. Aimé qu'on lui court après. Petit coquin celui-là encore. On dirait que tu as causé une belle agitation. Que veux-tu que je te dise? Tu as toujours eu une mauvaise influence. C'est toi qui déteins sur moi. Des tenues de mon père. Et toi, tu portes une robe. Arrête, Arnaud. Engoncé dans cette chose, j'ai l'impression d'être une momie. Ça doit être une grande occasion pour que tu sois si élégante. Détrompe-toi. À dire vrai, c'est beaucoup de cérémonies, énormément de pompe. Rien de palpitant. Quand tu ne m'invites pas à tes fêtes, tout le monde en souffre. J'ai essayé, mais mon père s'y est opposé. Ton père ? Léa ! Ouvrez ! Va-t'en, je vais les distraire. Quoi ? Tu me jettes dehors ? C'est compliqué, je t'expliquerai plus tard. Ne traîne pas, par la fenêtre. Oh non, 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 non. Tu ne vas pas me refaire le coup de la pauvreté. Cesse donc de faire l'enfant. Je suis certaine qu'il n'y aura pas de chien de garde cette fois-ci. Allez ! Seigneur ! Oui, Elise, c'est la copine de Arnaud au début du jeu, en fait. Et pourquoi ? Pourquoi ces deux questions ? Tu ne l'as pas reconnue ? De service à la fête, mais non. Quelle perte de temps. Il n'y a personne ici. Qu'est-ce qui se passe? Ça ne me dit rien qui vaille. Ah bah ouais, en même temps, c'est un jeu français. C'est en France. Alors c'est normal que qu'ils essayent de mettre en avant la France. Il y a même la Tour Eiffel dans le jeu. Je trouve ça curieux. Cette fois, vous êtes fini. Je savais pas que je pouvais me battre. Empêchez-le de filer. Non, reviens, toi.
quittons les rêves. Arrêtez. Bon, qui viendrait traîner par ici? Bon, bah, premièrement, ça commence bien. D'un intrus, mademoiselle de la Fère. L'avez-vous vu? Non. Mais c'est ça une intrus? Je commence à me faire quelque chose là. J'aurais pu être de service à la fête, mais non. Quelle perte de temps. Il n'y a personne ici. D'un intrus, mademoiselle de la Fère. L'avez-vous vu? Non. Je vais essayer d'esquiver les mecs. De service à la fête, la merde. Non. Quelle merde de temps. Il n'y a personne ici. Franchement, qui viendrait traîner par ici? Je parie à 10 contre 1 qu'un de ces rupins va me vomir sur les pieds. Ah, fais chier, ils sont deux. Les haricots. Il n'y a pas de souci, Bécaille. Bah, passe une bonne nuit à toi. Et de toute façon, mon live ce soir, c'était juste un petit live test. Il va pas durer longtemps. En plus, vu que si ça lag comme ça, c'est pas top top. Voilà. Mais merci d'être là quand même. Ciao, ciao. Tout va bien, monsieur? Vous avez abusé du champagne? Monsieur? Monsieur de la Serre? Monsieur de la Serre! Siver, il faut partir! Garde! À l'aide! Au meurtre! Y'a pas de soucis. Mon Dieu, il a tué le seigneur de la Serre!
Mais ouais, c'est un complot. Non ! C'était pas moi ! C'était Damien qui tenait le couteau ! De grâce, ayez pitié ! Caria est omnes divisa in partes tres. Il nous tue ! Oh mon Dieu, ayez pitié ! On tue les prisonniers ici ! Ça suffit, espèce de dégénéré ! Où suis-je ? En enfer ! Qu'est-ce que tu regardes, merdeux ? Laisse-moi tranquille, gamin. On va laisser tranquille ce petit bonhomme. Bienvenue dans ton nouveau foyer. Une prison bien française aussi, non ? Eh oh ! Mon Dieu ! Je dois parler à quelqu'un ! Quelle barbarie ! Ce sang ! Tout ce sang ! Allez, un petit dodo. Où est-ce que t'as trouvé ça, merdeux ? Arrête, je ne suis pas d'humeur. Rends-la-moi ! Viens me la reprendre. Si tu t'en crois capable. Joli coup, merdeux. Voyons si tu te défends aussi bien. Allez, ça pour une misérable antiquité. Je connais une misérable antiquité qui ferait certainement mieux de se taire. Répète-moi ça. J'ai rien d'autre à te dire, vieillard. Ce qui m'appartient. Il retourne à tes dessins, vieillard. Ouais, ça fait les mal, dessins. Hein. Ces dessins, là, il y en a partout. Tu as couvert toute ta cellule de tes pattes de mouche. Mais... Approche un peu, petit merdeux. Tu vas me lâcher ? Regarde bien le mur. Qu'est-ce que tu fais ? Regarde-le. Concentre-toi. Bah oui. C'est un assassin aussi. Tous les assassins. Des messages du passé. Je me suis fait jeter dans la moitié des prisons de Paris pour les trouver. Comment tu t'appelles, petit ? Arnaud. Arnaud Victor Dorian. Dorian.
Je m'en doutais. Pierre Bellec. J'ai connu ton père. T'en as de la chance. Il est mort à Versailles. En quelle année déjà? 76? 77? En décembre, si je me souviens bien, et pas de témoin. Comment sais-tu? Mon père était un assassin, Arnaud. Il s'est battu toute sa vie, afin que l'humanité puisse vivre libre. Reste à mes côtés, et tu vivras assez longtemps pour rejoindre la confrérie. Et faire honneur à sa mémoire. Écoute, je suis persuadé que ta petite secte est vraiment charmante. Mais ça ne m'intéresse pas. Tout ce que je veux, c'est retrouver Elise. Et comment tu comptes t'y prendre depuis cette cellule? En effet. Quand même 2 mois plus tard, quoi. Ah, c'était 2 mois en prison. Encore. Concentre-toi, merdeux. Qu'est-ce qui se passe dehors? Les citoyens s'agitent. Tends bien l'oreille, la chance pourrait venir frapper à notre porte. C'était un coup de canon. Parfois, la chance frappe en faisant exactement le même bruit. Protégez les prisonniers. Fais comme moi. Pressons. Amoureux d'une... Comment ça s'appelle? À couvert. Merde. Amoureux d'une Templier, c'est beau. Ah merde, j'ai spoilé encore. Debout contre le mur. Au nom de qui? Vous avez... Silence! En arrière! Il a le corps qui s'impose dans le mur, par contre. En arrière! Bon, il est temps de sortir de ce trou. Ouais, souvent, quand ils sont amoureux, c'est souvent des Templiers. Allez, merdeux! C'est le moment de courir! Quoi qu'il arrive! Reste près de moi. Laissez-moi sortir. C'est bon, Damien. J'arrive. Fermez. Tu vas devoir les retenir, merdeux. Si on me poignarde, je te jure que je vais te tuer. Culé. Bellec, la porte est ouverte. Pas un problème. Faites ton vin avec vous. Merveilleux. Enfuis-le. Quand tu voudras. C'est pour bientôt. Surtout, prends ton temps, Bellec. Dis-moi que tu plaisantes. Mais arrêtez-le. Ça y est. Où toi? Ah, je me fais shoot à la fin. Ah ouais, l'autre il m'a cassé les bonbons. Dis-moi que tu plaisantes. Ça y est, on
y va, merde. C'est tout ce que tu sais faire. Ah, mais je pouvais m'enfuir tout à l'heure. Il est parti. Allez, saute-toi. Il a planté, il est où? Je sais pas, ils vont le casser autre part. Lâche. D'accord. Je suis pas encore crocheteur. C'est par là. J'ai perdu la trace de l'autre, hein, quand même. C'est en bas, mais il a bugué, je crois. Des mecs, hein, je sais pas pourquoi. Bon, il est où l'autre? Ah, moi, il est de l'autre côté, mais je le vois pas, c'est un problème. Donc, il a sauté quelque part, mais je sais pas d'où. C'est par là, on va voir. C'est par où? Allez, saute. Bug de séquence. Mais non, pas là. Bug encore de séquence, je sais pas. Le mec il a disparu quoi. Je vais relancer la mémoire. Dis-moi que tu plaisantes.
Je sais pas où j'ai raté le passage du coup. Je rentre, très bonne question. Il est où l'autre? Il est con. Ah d'accord. Faut qu'il fasse les séquences avant. Pendant que la foule les occupe. Tout à l'heure, en fait, il s'est cassé la gueule et il a eu un bug. Voilà. Tout à l'heure, en fait, il a eu un bug, il a dû se casser la gueule et du coup, ça a fait planter le jeu. On va venir pour plaisanter. Mais qu'est-ce que tu me fais, toi? Par ici! Mais tirez, bon sang! Retenez les prisonniers! Mais qu'est-ce que... Wow, putain. Là tu bouges plus, il est encore bugué. C'est quoi ce bordel? Et comment on fait pour redescendre? Aie confiance! Je me rends! Je me rends! Ouais, je vois ça, ouais. Il... un peu démarré. Qu'est-ce que t'attends, merdeux? Il faut sauter! Quoi? La prison t'a ramollé la cervelle, vieillard? Le vin s'en est chargé depuis longtemps. Allez, grimpe maintenant! Je ne peux pas, c'est impossible! Impossible? C'est le pain quotidien des assassins, petit. Si tu veux un jour te sortir la tête du cul, viens nous trouver. Tu te sentirais chez toi. Et ouais. Au revoir, merdeux! Toi, éloigne-toi du rebord! L'intro du jeu quoi. Ah c'est bon, c'est le saut de la foi, tu sautes dans le vide et puis c'est bon. Hi, Skander. Thank you. Elise? Eh bien, quel accueil? On n'est jamais trop prudent. Pas après ce qui s'est passé. Elise, je... N'as-tu pas déjà assez remercié mon père de sa bonté? Elise, je t'en prie. Comment peux-tu croire que j'ai tué Monsieur de la Serre? Ton père n'était pas l'homme que tu croyais.
J'ai vécu la même chose avec le mien. Je sais exactement qui était mon père, Arnaud. Et je sais qui était le tien. Je suppose que c'était un assassin. Moi, un Templier. It's not easy because disconnect. Ça te surprend? Disconnect. Mon père a toujours voulu que je suive la même voie que lui. Whole time. Désormais, je ne peux que le venger. Je te jure que je ne suis pas responsable de sa mort. Tu te trompes. Non. Non. Sur mon âme, je jure que je n'ai pas. C'est... une lettre envoyée à mon père le jour où il a été tué. Lila. Grand maître de la Serre, l'un de mes agents m'a informé qu'un individu au sein de notre ordre complote contre vous. Je vous conjure de rester sur vos gardes lors de l'initiation de ce soir. Ne faites confiance à personne et méfiez-vous surtout de vos amis. Puisse le père de la sagesse vous guider, elle. Je l'ai trouvé par terre dans la chambre de mon père. Ah bon, tu te souviens de ça? Je ne savais pas. Mon père non plus. Comment aurais-je pu savoir? Va-t'en. Je t'en prie. Elle est même pas capable de croire. C'est chaud quand même. Vive les amis. Hein. Ouais, vive sa copine, quoi. Diable, qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Elle réfléchit un peu. Madame Tussaud, j'excelle dans la fabrication de statues de cire et de masques mortuaires. J'ai promis à l'Assemblée de faire des masques des victimes célèbres de la guillotine. C'est macabre, mais c'était pour moi le seul moyen de sortir de prison. Et aujourd'hui, quelqu'un a volé les têtes qu'on m'avait remises. Pourriez-vous les retrouver? Une amie a découvert quelque chose qui pourrait vous sembler important. Elle m'a envoyé cette lettre. Selon la rumeur, l'un des soldats gardant la Sainte Chapelle voulait se procurer la tête d'Olympe de Gouges, car il l'aimait en secret.
monter tout seul, mais enfin, je sais pas comment on y accède. Où est le sous-sol là? C'est en haut, je sais pas, non? Sûrement évadé de la ville. C'est peut-être pas là-haut. Ah ouais, en dessous, d'accord. Oui, monsieur, pour quelle quantité? Non, le drôle, le prix n'est pas négociable. Madame, là-bas? J'ai pas parlé tout à l'heure. Ah non, j'ai pas parlé. Le juge qui a condamné Hébert souhaitait apparemment conserver sa tête comme trophée. Bordel ici, hein. Seul langage que tu comprennes.
ferme et que... Yes, I have a big lag in the stream, but with my game, no problem lag. The game is very very fluid on my PC, and I not understand because the stream lag. Était juste là. Ce casque. Petite cloche, il faut que je trouve les têtes. Attends, si tu peux t'approcher, je suis preneur. Fouiller avec un peu de chance et me donner du sang. Plus fort que toi.
coup, j'ai pas récupéré une tête. J'ai récupéré une clé, j'ai pas. J'ai pas tout compris. C'est une mission. Je crois qu'il m'a grillé lui, je suis pas sûr. Vous revenez troubler l'ordre public ? Du coup, je peux y voler maintenant. Ah bah non, je peux pas y voler. Ah si. C'est des morts chelous le mec. Tête en fait je fais n'importe où moi, les têtes c'est les points verts. J'ai de la merdouille apparemment. Non. Pas la cloche, toi. Bonsoir à toi, Laura. Comment vas-tu? Marseillaise. D'accord, je vais parler. À la Ouais mais non, bug. C'est abusé là. Oh là 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 là. Faut que je reprenne la main parce que le gameplay est complètement différent des autres. Le bordel, c'est le bordel. Yep, comme d'hab. Change pas une équipe qui gagne en même temps. Sinon ce serait pas drôle quoi. Ouais, mission accomplie, j'ai plus qu'à la rendre. Putain, le mec qui galère pour une putain de mission quoi.
gameplay un peu hard du jeu, quoi. Par rapport à Rogue et tout, le truc, ils ont tout changé. Ils se sont dit, tiens, on va tout changer, voilà. Juste pour leur casser les couilles, hop, c'est fait. C'était une mission annexe. Moi qui fais jamais une mission annexe, là, je l'ai faite. T'as changé, hein. T'as changé, hein. Saute quand tu veux, toi. Mais non, vous m'avez pas vu. Plus un fantôme. Bah, elle est morte. Ah non, rien. Oh putain, ils font chier. Vous les avez. Je vais pouvoir réaliser mes masques mortuaires. Oh, dans quel monde vivons-nous? Bon, allez. Ce que je vais faire là, c'est que je vais faire la petite mission, l'autre petite mission de. L'agitation, Seigneur. C'est ça. La vraie mission du jeu. Et après, je vais lâcher ici. Ouais, un petit coup. Et on se retrouvera. Prochaine fois, j'essaie de régler aussi pour que vous ayez une moins. Donc, le moins de pertes possible sur le jeu. C'est possible. C'est cool. Parce qu'on me rapporte qu'il y a des problèmes. Ce n'est pas mon but de vous donner du live de mauvaise qualité. C'est sûrement la faute de Angel. Ça. C'est amusant. J'imagine qu'une simple adresse aurait été trop triviale. Moi, ça va très bien, ouais. Laura. Désolé, j'ai eu un petit bug de chat. Du coup, je viens juste de le voir. Que ce médaillon doit jouer un rôle. Oui, ce médaillon joue un rôle, mais il faut trouver le... Trouver le truc. Là-bas, tu vois, il y a une rose. Comme ça, le médaillon. Quand tu veux pour réactiver ton pouvoir, toi. J'arrive pas à bouger, je sais pas pourquoi il bouge pas par rapport aux autres, mais. Voilà. Je parie que ce médaillon doit jouer un rôle. T'as vu ça, comment c'est beau? De toute beauté. Ben oui, en effet, ça existait. Pourquoi ça n'existerait pas? C'est vieux.
Désolé pour ce petit... Est-on vraiment obligé de retourner en prison? C'est pas une prison, c'est un réseau. En empruntant ces souterrains, on peut parcourir toute la ville sans être vu. Et on voit tout ce qui se passe. Ah bon? Pourtant, on n'y voit pas grand-chose. Pourquoi vous n'avez pas choisi un endroit en hauteur? On se sert de ces tunnels depuis 6 siècles, merdeux. Mon surnom, et ça faisait longtemps que tu m'attendais caché dans les ténèbres? Non, non. Guillaume t'a aperçu depuis le clocher. C'était une belle entrée en scène. Tu te moques de moi? Non, non, je le pense vraiment. Très théâtral. Ferme-la. Nous y sommes. Faites approcher l'aspirant. Putain, je me rappelle de la fin de celui-là. Ainsi, le fils de Charles d'Orient revient à nous. Belek pensait que tu ne viendrais pas. Pourquoi ce revirement? J'en ai assez de fuir mes échecs. Messieurs de la Serre, mon père, je tiens à me racheter. La mort du grand maître de la Serre pèse sur ta conscience. Pourquoi? Est-ce toi qui tenais la lame? Quelle importance. J'en porte quand même la faute. La culpabilité l'étouffe. Tu réponds vraiment de lui? Anna Kavale, Inauka Diran, Ala Moajati El Moakama, Seakunujaidan. Très bien. De l'ombre, tu rejoins la lumière. De la lumière, tu regagnes les ombres. Es-tu prêt à suivre la voie de l'aigle? Si c'est votre manière de demander si je veux de votre aide, oui. Alors bois. Rappelle plus ce qu'il faut faire. Il se passe vraiment des trucs bizarres. J'aimerais tant venir, père. Courage, mon garçon. Tu vas m'attendre ici. Et je reviendrai quand cette énigme sera en haut. Et pas de bêtises, c'est entendu? Père! Mais où est-il passé, enfin? C'est moi! Je suis là! C'est
bonne drogue, hein. La sacrée trône en guinette. Ouah, mais non. Il a pas tourné, quoi. Il a été tout droit. La blagounette. Père ! Mais où est-il passé, en fait ? Père, c'est moi ! Je suis là ! Il veut pas se décaler sur le côté, ce trou du cul. What the fuck? Tu vas pas me casser les couilles tout de suite, Arnaud. Mais je vais commencer le jeu. Père, c'est moi! Je suis là! Qu'il n'y ait plus de décalage. Ouais, après. Ça m'arrange. Décale, décale, décale. Faire comme ça. C'est pas vraiment comme ça qu'il est mort. C'est quoi ce faux raccord là? Que veux-tu que je te dise? J'ai toujours eu une mauvaise influence. C'est toi qui déteins sur moi. Va-t'en, je vais les distraire. Mon ami, je suis vraiment bon. What the fuck? J'ai pas compris. Perso, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Moi, je suis fait violer. Ah, tuer l'assassin sans vous faire détecter. J'ai pas vu la phrase juste avant.
bah voilà. C'est mieux, non? Auto-tuer le gars. Ces mots viennent de nos ancêtres. Ils forment le cœur de notre credo. Ta lame épargnera la chair de l'innocent. Tu te cacheras au cœur de la foule. Tu ne mettras jamais en danger la confrérie. Que ces préceptes marquent à jamais ton esprit. Suis-les et tu en deviendras meilleur. Bafoue-les et tu en souffriras. Lève-toi, assassin. Arnaud Dorian est mort. Il a disparu de ce monde. Ses péchés et ses échecs sont réduits au néant. Ce soir, il ressuscite, tel un novice de la confrérie des assassins. Et voilà. Je suis un assassin. C'est un peu le but du jeu d'Assassin's Creed. En même temps, mais je suis content, je suis enfin un assassin. C'est bon, le chargement, il va se prendre. Non, c'est bon. Tu es de retour. Maintenant que tu sais ce qu'est la vie d'un assassin, es-tu prêt à prendre part au combat avec nous? Deacon, charge le fichier. C'est parti. Nous avons volé un fichier de Abstergo le mois dernier, et les infos qu'il contient sont incroyables. Mais on ne partage pas ce genre de choses avec n'importe qui. Si tu appuies sur Play, tu rejoindras les assassins. Si tu veux lutter contre les Templiers, si tu veux nous aider à sauver la civilisation des griffes d'Abstergo, appuie sur Play, installe-toi et prépare-toi à apprendre la vérité. Tu as fait le bon choix. Bienvenue chez les assassins initiés. En même temps, t'as pas vraiment le choix. Dans les années 50, une théorie fut développée selon laquelle l'ADN humain employait un modèle à triple hélice. Quelques années plus tard, les travaux de Crick et Watson démontèrent cette théorie en faveur du modèle à double hélice. Depuis, ce modèle est considéré comme le fondement de toute vie sur Terre. Mais pourquoi a-t-on envisagé la théorie de la triple hélice? Pourquoi les radiographies de Rosalind Franklin semblent-elles la valider? En réalité, les premiers échantillons utilisés contenaient de petites traces d'ADN de précurseurs. Les gènes d'une race ancienne intégrée aux nôtres. Nous savons désormais que l'ADN à triple hélice constitue le fondement du génome des précurseurs. C'est la pierre de Rosette génétique de notre époque. Si l'on réussit à la faire parler, à séquencer entièrement le génome des précurseurs, le savoir que nous pourrons acquérir sera sans limite. À l'aide de la technologie Animus, l'histoire des précurseurs se dévoilera sous nos yeux. Le décryptage des langues anciennes permettra d'accéder aux technologies disparues. Imaginez ce que révélera le savoir qui a produit les fragments d'Éden. Ces découvertes seront 100 fois plus importantes que la fission de l'atome. L'an dernier, nous avons localisé un échantillon très riche d'ADN de précurseurs chez un donneur. Cet échantillon contient 4% d'ADN de précurseurs, une valeur inouïe.
Il est la pierre angulaire de nos travaux. Notre objectif est de démêler la triple hélice, de séquencer le génome des précurseurs et de modifier à jamais le visage du monde. Bienvenue dans le projet Phoenix. Et c'est du bordel tout ça. Voilà où nous en sommes. L'an dernier, Abstergo a mis la main sur le corps de ce qu'on appelle un sage, l'un des rares êtres humains à détenir un excédent d'ADN ancien. Depuis, il s'active pour en trouver d'autres, dans le présent et dans le passé. Plus Abstergo en détiendra, plus ils se rapprocheront de leur but ultime. On a fait obstacle à leur dernière tentative, mais ils continueront jusqu'à ce qu'ils aient séquencé le génome des précurseurs dans son intégralité. Alors, pourquoi Arnaud Dorian ? Pourquoi suivre un assassin pendant la Révolution française ? Il s'avère qu'à un moment de sa vie, Arnaud a été en contact avec un autre sage. Il faut que tu découvres où et quand ont eu lieu ces rencontres. Si Arnaud a assisté à la mort de ce sage, Abstergo risque de mettre la main sur son corps. Sauf si on est les premiers à le trouver. C'est là que tu entres en scène. Ce ne sera pas facile. Les mémoires génétiques doivent être traitées dans l'ordre pour que les données restent stables. Mais je suis sûre que tu seras à la hauteur. Et tu ne seras pas seul. D'autres initiés, des assassins tout comme toi, se démènent pour gagner cette bataille. Si tu as besoin de t'entraîner, de plus d'expérience, ils te viendront en aide. Très bien. Chargement de la séquence suivante. Content de te voir. J'ai quelque chose pour toi. Plus tu passeras de temps avec Arnaud, plus on aura de données pour augmenter ta synchronisation avec lui. Et pour activer ses compétences. Tiens, regarde ça. Je veux bien que dans celui-là, en fait, les compétences, on les achète, en fait. C'est pas que... Comme les jeux, quoi, de nos jours. Alors, qu'est-ce que j'achète ? Peau de sanglier. Je sais pas quoi prendre. Occupé, j'ai demandé à Rebecca d'explorer la mémoire d'Arnaud. C'était un jeune homme plutôt actif. Tu vois ce symbole? C'est une mission coop. Je joue souvent en multi, toi aussi peut-être, mais je me suis dit que tu voudrais sûrement varier les plaisirs. Voici des missions qu'Arnaud a menées avec ses frères assassins. Elles te donneront une idée du fonctionnement de notre confrérie. Marche jusqu'à cet endroit et tu recevras tous les détails. Je les ai tous indiqués sur ta carte. Bon, sur ce, je vais arrêter là pour ce soir. Je vais terminer le live là-dessus. Je vous dis à tous ceux qui étaient encore là, merci d'avoir suivi ces deux petites heures d'Assassin's Creed. Je vous dis à bientôt pour la suite. Et n'oubliez pas, rien n'est vrai, tout est permis. Ah, elle était pas mal celle-là. Allez, ciao ciao.